Et on est contre un adversaire qui a beaucoup joué, qui est très stable également. Ok. On va faire un petit Oshi. Avec le Dan, tu apprends les règles, après tu commences seulement à jouer. C'est ça. Avant le Dan. Ah, jouer double chi. Tu dois commenter tous les coups en même temps aussi. Oui, il y a ça aussi, oui, bien sûr. C'est vrai que je me souviens, ça je l'ai déjà dit, je crois, mais quand j'avais fait mon tournoi de Rennes, je crois. Ou je sais plus. Ou le second tour, bon, qui était à Rennes aussi. J'avais mis mes parties sur le Discord et il y avait BFM et un ou deux autres qui me disaient que bah, j'avais pas le même, du tout le même style de jeu. Ils disaient c'est toi qui joues ou il y a un truc genre, j'étais là, bah oui, oui, c'est moi. C'est le stress de vous parler. Intimidé. On va aller par ici. Une fois ça compte. L'authentique jeu de Go se joue par correspondance en un an ou plus comme au bon vieux temps. Allez, on va aller ici. Il réfute. Un peu peureux. Et on va aller par là ou par ici. Je joue toujours en troisième ligne. Mais c'est sûrement bien de faire quatrième de temps en temps, mais... Après, il prend un deuxième coin vraiment très rapidement. Bon, cela dit, avec ça, il peut le prendre aussi tout de suite, tac, tac, et aller là. On joue en quatrième ligne. On a plusieurs pierres vers le centre. Les joueurs de pleine lune pour la quatrième ligne. Ouais, tellement. Tellement, tellement. Mais il a pas été en Q5. Hein. Tout le monde va en Q5, je pense. Moi, je viens là. La règle, c'est tu joues quatrième ligne tous les derniers vendredis, moi. D'accord, il y a vraiment... Chacun sa version. Merci à Joe, c'est qui, ici. Bonne nuit, Offscreen. À la prochaine. Pourquoi la musique s'arrête tous les deux secondes par contre? Hop. Il approche de ce côté, c'est marrant. Je pensais qu'il approcherait vers le bas. Bon, moi, je vais investir sur le bord bas. Après, oui, il a encore ce coup et par exemple ça, s'il veut développer le bord gauche, mais bon. Ok. C'est presque intéressant d'aller là, non? Non. Par contre, Satari, il va être violent. En même temps, j'ai envie de prendre Sansan, moi. Pas que j'oublie un peu de temps, quand même. Moi, je pense que ce qui me manque pour gagner cette partie, c'est une bonne musique comme In Circle de Darin. Ouais, là, c'est bien, c'est The Cure. Je sais pas si vous entendez bien la musique d'ailleurs. T'aimes beaucoup Abda? Ah, je vais mettre Paprika. Hop. Ça veut bien écrire? Oui, non? Hop. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Hop. Alors on répond ici. Je vais rompiche. Moi, bonne soirée. Bonne nuit Abda. À la prochaine. Bon, c'est ma dernière aussi là. Bon, c'est ma dernière. J'ai mis une longue, mais. Il fait ça, il va faire double année? Ah non. On va là. Oups.
En plus, encore une fois, là, on est vraiment bien pour jouer par ici, hein, même un peu plus proche, peut-être. Ça donne envie, même quand on a déjà une pierre ici, ça donne envie de venir kick direct. On est installé ici, on est installé là. C'est le même que tout à l'heure? Non. R16, c'est mauvais, non? Ça te retire la possibilité de R17? D Devils 6 Gate. Après, si vous écoutez la techno des trucs genre, c'est pas trop mon truc, mais. Il va jusqu'ici. Est-ce que c'est pas agréable de couper tout de suite? Peut-être venir là même? Ouais, peut-être. C'est Berserk, ouais. C'est Berserk. Enfin, le groupe s'appelle Berserk aussi. Enfin, non, attends, c'est Berserk, mais c'est Paprika aussi. Ça veut rien dire ce que je dis. C'est clair, hein. Bon, on va monter là. Il est vachement confiant pour son groupe ici, quand même. Wouah, c'est quoi ça? On va faire ça et double année. Si je fais ça, il coupe, je peux prendre les pierres, mais il peut faire Atari, je capture. Il lui reste quand même des problèmes encore. Un point de coupe ici, hein, et des points de coupe par là, j'imagine. Je sais pas. Je connaissais pas ce terme, là, de la funk. Ou alors on fait ça pour continuer à mettre de la pression, quoi. Mais nous aussi, on est sous pression. Donc plutôt faire ça, et s'il connecte, on est content. On peut aller ici même, non? Tac. Ouais, non. Blanc, noir, blanc, noir. Ça fait mal à ce groupe. On va plutôt connecter, et lui, il va aller ici de toute façon. Ouh, c'est un peu lent de faire ça, peut-être. Enfin, je vais pas me plaindre. Non. Année semble compliquée. On va sauter. Si je fais ça, il peut faire année ici maintenant et développer bien. On va plutôt reculer solide. Par contre, s'il rajoute un coup par là. Ouais, non, il met la pression d'abord, c'est logique. Année, puis on vient. Ouais, là, on peut pas aller là, il faut aller ici, sinon il peut couper. Ici, il recule. Nous, on peut aller là, à un moment. Pour l'instant, on va aider notre groupe, quand même. Tac, tac, tac. Allez, là. On menace d'abîmer sa pierre. Putain, j'ai l'impression de jouer super vite, mais j'ai déjà utilisé 7 minutes. Ouais, bonne soirée à tous, bonne nuit. Hein. Et ouais, jeudi, je stream à 16h parce que le soir, je fais un petit resto avec ma copine. Donc,
À 16h jeudi, et on verra si après je continue à 16h les jeudis, peut-être pendant l'année, j'aurai pas le choix, on verra. Donc voilà, bonne semaine à ceux qui partent, bonne nuit, et ouais, à jeudi peut-être. Pense que c'est mauvais d'aller dedans. Ça me renforce pas mal, mais lui, il protège, tac, et après, s'il protège ici, ça suffit, il est tout connecté. C'est assez cool. Mais en même temps, le année est chiant. Donc peut-être que je dois faire juste année, moi aussi. Enfin, Nobby, pour le coup. Pas trop le renforcer. Et du coup, il joue quand même ce coup, mais bon. Il me reste un peu d'Adji, du coup. Et on va remettre la pression sur celui-là. Je peux faire ça? Tac, tac. J'ai l'impression. Oula, catégorique. Atari, Atari. pouf, pouf, pouf. Donc il a poussé et après il lit. C'est plus simple comme ça. On va faire Nobby. Il va pousser. Il va protéger. Faire Atari. Couper. Ok. Dans ce cas, on protège tous nos coupes. Et maintenant, il faut vivre. Maintenant, il va faire ça. Très bien. On va protéger. Je sais pas s'il y a quelque chose qui peut aller. Au moins, go dodo. Ok, bonne nuit, fuck aussi. Salut à tous. Je vais être seul là bientôt. Ouais, il avait peur. Il y avait peut-être un petit truc, quoi. Ouais, il reste un grand espace en haut. Ouais. C'est ce que je regardais à l'instant. Mais je me demande, ici il n'y a rien? Ah, ça doit aller. C'est pas si gros le nord. Parce que quand je joue par là, il peut encore venir réduire ici. Je vais là, il a encore ce coup, mais il a encore ça. Et il a encore réduction assez facile. Donc je sais pas comment le jouer ce truc. Est-ce que je dois pas plutôt jouer ça d'abord? Je me demande. Hein. Provoquer un petit truc par ici. En vrai, j'ai presque envie de changer de direction pour aller après attaquer là et foutre de la pression sur tout ce truc. C'est très ambitieux. Mais c'est plus marrant, j'ai l'impression. De cette manière. Là, il doit sacrifier cette pierre, non? Il doit faire Atari plutôt. Il a fait une erreur. Bon, tant mieux pour moi. Je crois qu'il doit faire Atari. Et il prend celle-là. Ça aussi, c'est peut-être une petite erreur. Parce que du coup, j'obtiens une belle forme. De toute façon, je t'ai goûté. Je vais quand même faire ça, même s'il peut couper.
Tac, 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 tac. Oh, il coupe pas? Ça prend sa pierre? Pouf, pouf. S'il connecte et que je vais là ensuite. Ouais, compliqué. Faut couper. Connect. Et peut-être un coup là, il va ici. Non. Non, je connecte. Il va faire atterrir ici, je descends. Il descend. Je descends. C'est compliqué. Il préfère aller de ce côté-là d'abord. Ok. Je sais pas quoi faire. Si je fais ça, c'est pour faire atterrir, tac, puis atterrir, tac, et comme ça, il prend cette pierre. J'imagine. Mais si je viens là, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? C'est juste, il saute et j'ai un groupe faible. Donc il faudrait peut-être plutôt que j'utilise cette pierre pour développer un peu le bord nord. Pour l'instant, je vais faire ça comme ça, je pense plutôt. Essayer de lui provoquer des mauvaises formes avec son groupe. Comme ça, oui. Oh non, il peut faire atterrir ici. Ah oh non, s'il fait ça, je suis là. Mais il peut faire atterrir là, puis atterrir ici. Ouais, non, il a pas fait dans le bon ordre. On va faire cet atterrir là plutôt, du coup. Je suis pas sûr que cette attaque mène vraiment à quelque chose. Blanc, noir, blanc, noir peut couper. S'il vient là, on peut faire double année. Peut-être qu'il y a des petits trucs quand même. Noir, blanc, noir, blanc. Non, ça marche pas. Je suis en train de faire de la merde. Voilà, je lui donne beaucoup. Je me trompe. J'ai eu une liberté de moins pour lui. Donc il peut faire cet atari et venir là. Non. L'atari et revient là. Comment il va se débrouiller? Il prend cette pierre. Bah, je suis assez content du coup. Je suis assez content du coup. Bon, il faut séparer ce truc et ce truc. Ouais, il a été gentil par là. Hein. On s'en fout. Ça, c'est... Passe. Presque. Enfin, là, localement, je m'en fous, je pense. Ah, vraiment, j'ai envie de... D'une manière ou d'une autre, séparer toutes ces positions. À voir comment on fait quoi. Pour attaquer ce truc là, cette position et cette position là en même temps. On a l'air vivant en haut. On a l'air vivant ici. Ça c'est ok, ça c'est ok. Donc il n'y a pas besoin de se préoccuper de nos groupes.
Ce qu'il y a, c'est si je vais là, il sort tout simplement ici. Donc, a priori, c'est plutôt ça. Peu importe s'il force, c'est que je suis en atterri. Hein. S'il pousse trop par là, en fait, ça abîme ce groupe. En même temps, s'il pousse ici, ça abîme ce groupe. On vient par ici, ça menace l'atterri là. Mais en fait, cet atterri là, est-ce qu'il était si grave en fait? Parce que quand il vient ici, quand je faisais atterri, il allait là. Il sacrifice de pierre, certes. Mais si je capture, il peut recapturer, donc il était connecté. Peut-être qu'il aurait pu gagner un coup à côté pendant ce temps. Si je joue ici, il fait atari, je vais là, il fait atari, je vais là, il fait ça, je vais ici, connecte par au-dessous, je vais là, c'est assez risqué quand même, il protège, et ensuite je prends les pierres, d'une manière un peu plus intelligente peut-être comme ça. Ou alors quoi? Je suis pas sûr d'avoir 36 autres solutions, parce que si je protège comme ça... Attends... Il pourrait jouer un co, ça peut être chiant. Si je vais là, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, essaie de passer au-dessous, atari, tac, et il tente le co ici, ça peut être très très chiant, sachant qu'il est sûr d'être vivant depuis qu'elle a capturé cette pierre, donc ça pourrait être très chiant. Donc ça, ça a pas l'air enviable. Tac, tac. Ouais, j'ai l'impression que ça c'est bien, du coup. Ok, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. Non, je vais pas compter la partie, non. Faudrait peut-être. Oui. Mon temps découle très très vite. Oula, j'ai pas fait exprès de cliquer. Bon, il peut aller là du coup, ouais. J'aurais dû connecter direct, mais j'ai mis ce clic. Ouais, il gagne ce coup gratos, et ça c'est chiant. Ouais, c'est important ce genre du coup. À venir là, déjà. Et on va sortir avec ce groupe. Ça a l'air quand même important. On a un peu foiré nos attaques.
Il regarde s'il peut couper, mais là je peux faire ça d'abord. Et s'il continue de couper. Ouais, ça a pas l'air de très bien marcher. Mettre un peu la pression de ce côté. Maintenant il faut attaquer ça. Yoyomi now starts. On va faire ça, dommage. On peut pas aller là. Parce que quand il bloque, oui, on peut se dire, ah, blanc peut faire ça. Tac, et blanc va là. Tac, tac. Il n'y a pas d'œil ici. Il n'y en a qu'un. Sauf que quand je fais ça blanc, noir. Après, quand je continue mes séquences, il peut venir ici. Et si je résiste. Ah, bah si, en fait, ça va. Attends, ça marche du coup? Peut-être. Non, ça marche pas du tout. Ça marche pas. Parce qu'il pouvait capturer ses pierres. Donc là, il va capturer ça. Mais moi, je peux mettre la pression ici. Ah, qu'est-ce qu'il veut faire? En vrai, je pense qu'il peut capturer. Ouais, non, j'ai. Non, parce que oui, si je forçais, si là j'allais là, il peut faire Atari. Et ensuite Atari ici. Et je me faisais capturer les deux pierres. Donc ça ne marchait pas. Du coup, il peut capturer ça. Tant pis, on laissera pour plus tard. Vraiment pas évident. Viens ici. Ok. C'est bizarre. Et il est mort. Bizarre. Je sais pas pourquoi il a été au coin tout de suite. Je pensais que là, en plus, sa réflexion, je pensais vraiment pas que c'était le coin. C'était en mode, est-ce que je dois rajouter un coup avant de faire quelque chose ici, quoi. Beaucoup de faux yeux. C'est le bordel. Ok. Noir, blanc. Noir, blanc. Gros yossé. Ouais, c'est un gros yossé. Ouais.
J'avais pas besoin de capturer. J'avais pas besoin de capturer cette pierre. Enfin, ces deux pierres, du coup. Il pouvait pas se suicider et il m'a laissé liberté. J'ai vraiment un réflexe, quoi. C'est... Donc, je pouvais rajouter un coup dans ça et c'est pas encore 100% vivant. Un coup blanc par ici. Et on pose des questions. Blanc, noir, blanc. Pour la surveiller tout ce truc. Ah, là, il y a deux yeux. Ici, il y a deux yeux. Enfin, il y en a un là et on imagine quand même aisément un autre là. Donc, il demande s'il y a deux yeux ici ou pas, mais... Oui, oui. Oui, oui. Mais il a tout à fait le droit d'essayer. Mais il faut aussi faire attention à tout groupe. Ok. Ouais, j'aime bien. J'aime bien aussi, ouais. C'est mon préféré, vraiment, avec... Francis Mano, ok. Je suis en train de regarder le coup en J14. Il peut pas aller en... En I15, sinon 8, je fais ça. 7, ça a l'air douloureux. 6, 5, mais ça marche pas 4, s'il vient là tout de suite. Il faut que je joue autre chose 2, avant. Alors ça, puis ça. Ah si, par Corosso est bien... On m'a offert une tasse Porco Rosso, une mug. Un mug. Je sais plus. Une tasse Porco Rosso, elle est vraiment bien. Peut avoir un œil en bas. Ouais, non, je lui donne la vie peut-être. Il va faire un deuxième ici après. Parce que là, il fait celui-là sainteté quasiment. Bon, on sait qu'il a la vie, parce que si je fais ça, il va ici... Non. Si je fais ça... Il va ici, et il est vivant. Donc on sait qu'il est vivant. Donc cette pierre n'est pas si importante finalement. Peut-être que maintenant je peux jouer là. Et on savait que s'il descend, je peux aller là. Et maintenant s'il monte, je vais là et qu'il coupe. Je vais faire Atari. Il vient là. C'est qui? Donc autant venir tout de suite, le petit coup au nez. Tout de suite. Ça peut être bien. Si capture ma pierre, de toute façon, bon. Oh. Peut-être que je pouvais d'abord faire cette attaque. Bon. Ah, je peux faire cette attaque. Et si... S'il y répond... Je peux venir là. Blanc. S'il capture, on vient ici. C'est compliqué si je joue là, non? S'il monte, je protège. Je fais Atari. Enfin, non, c'est à lui de jouer. Non, je te raconte n'importe quoi. Tac. S'il capture, je peux refaire Atari. En même temps, s'il protège, 8, je peux venir faire 7, Atari ici. S'il 6, capture, 5, 4, je peux reculer. 3, je sais pas. 2, 1. Il va me rester deux périodes d'une minute. C'est compliqué. C'est important d'essayer de tuer tout. En même temps, si je viens là, c'est plus simple.
S'il capture. Non, je sais pas. Oui, je sais, R2, assez gros. Mais c'est plutôt santé ce que je fais là, on va dire. C'est intéressant ça. Ok, il décide de vouloir vivre en gros. Donc là, en fait, il pouvait juste protéger et je sais pas, ouais, c'est oh, c'est chaud en même temps. Il est mort là. Enfin non, je joue là. Quand je capture. Si je capture, il va chercher des trucs par là. Je vais pousser. Il pousse, je viens là. Il connecte, je reviens là. On a cette descente de santé, peut-être. Tac. 9, 8, Ah, je 7, sais pas, c'est peut-être un peu 6, gourmand tout ça. Hein. 5, Peut-être qu'il faut que je joue 4, là. 3, 2. C'est un co. Genre, on peut faire ça. Atari. Nano recapture. Merci pour le follow, Hugo Chess. Bienvenue à toi. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à toi. Comment ça va? Tu connais un peu le Go? Ou t'es tombé ici par hasard, à côté d'une chaîne d'échecs? Chess. Yep. J'ai très envie d'apprendre. Ben, si tu veux, en 6 minutes, tu as les règles ici, en vidéo, pour te faire un premier aperçu. Et enfin, c'est la main playlist, mais tu as une vidéo des règles. Et sinon, tu as aussi en règles écrites la Fédération Française de Go qui a écrit des règles, tout simplement. Le jeu de Go. Règle officielle. Ouf. Bon, c'est un peu plus long à l'écrit, mais c'est court, c'est complet quoi. Hop. Sinon, t'as la vidéo en 6 minutes. Ouais, tu peux jouer sur Internet. T'as des serveurs comme. Ben là, je joue sur le serveur Fox Go Server, qui est un serveur chinois. C'est peut-être pas le plus facile pour commencer, parce que c'est écrit un peu en mandarin à pas mal d'endroits. Ouh là, ça c'est beau. Et sinon, tu as les serveurs les plus simples, tu tapes sur Internet soit ça, et tu as un serveur à télécharger, soit tu vas sur OGS, c'est Online Go Server, qui est juste sur le navigateur, donc c'est peut-être un peu plus simple au début pour avoir un premier aperçu. Et d'ailleurs, sur Online Go Server, il y a aussi un tutoriel pour apprendre le jeu de Go. Tu trouveras assez facilement. Là, je défends mes pierres. Pas de soucis. Donc il fait ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas 36 000 menaces non plus. Bon, il m'a trouvé quelque chose. Ou alors on joue le gros yossé. Bah non, parce que quand il répond, ben. Ouais, c'est pas fou. C'est pas fou. Ouais, mais en fait, le R2, quand il répond, et après que je joue là, c'est une menace qui coûte quand même, parce que derrière, il pourrait venir en R3. Par contre, on peut Nine, menacer. eight, seven, six, five, four,
3, 2, 1. Bon, c'est pas vraiment une menace, mais bon. Ouais, c'est gros quand même, en fait, le truc que je lui donne. Et ensuite, on vient ici, et ça menace quand même un peu son groupe. Ouais, c'est pas fou ce que je fais, en fait. Je sais pas. Je ne saurais pas dire. Blanc, noir, blanc, noir, blanc. Noir. Ouais, j'ai un peu donné, clairement. C'est vrai que ça fait plusieurs années que je joue aux échecs et je me demandais si le Go était tout aussi intéressant. Bah. Nous, on va avoir un avis biaisé, on va dire forcément, mais oui. Oui, c'est très intéressant le jeu de Go. C'est assez facile à aborder parce qu'il y a, c'est réputé avoir moins de règles vraiment de base si on prend chaque mouvement des échecs comme une règle, que les échecs justement. Mais le développement peut être un peu plus compliqué parce, dû à la taille du plateau, en fait, grossièrement. Hein. Là, c'est du 19-19 qui commence en plateau vide. Donc, il y a beaucoup de possibilités au jeu de Go. Déjà qu'il y en a beaucoup d'échecs. Ouais, c'est. Tu vas voir, rien qu'avec les premières. Ce qui est pratique, c'est que rien qu'avec les premières règles, j'imagine comme aux échecs, tu peux t'amuser rapidement. Donc, ça, c'est cool. Pas besoin d'être un expert pour prendre du plaisir. Ah, j'ai carrément donné avec ce coup. Bon, moi j'ai eu R2, hein. Si je l'avais pas eu, c'était vraiment l'échec, quoi. Non, je joue pas aux échecs. Enfin, j'ai joué 5 parties de ma vie, quoi. Donc j'appelle pas ça jouer. Ouh, il faut que je fasse attention à mes libertés, quand même. Tac, tac, tac. Celui-là, ensuite. Tac, tac, tac. Je suis pas du tout biaisé, du tout, mais le coup, c'est... ce qui est bien, c'est qu'il y a tellement de trucs à comprendre qu'à chaque partie, tu comprends quelque chose de nouveau. C'est ça, oui. C'est ça. Tout ça pour faire la même erreur sur la partie suivante. Bon, allez, change tout à coup pour pas faire de bêtises de fin de partie. Parce qu'on le voit venir, hein, ça attaque, on complète ici, il capture, mais il y avait un problème ici. Attention, attention. Aux échecs aussi, on en apprend tous les jours, que ce soit en ouverture ou même tactique. Ouais. C'est un très très gros sujet, je crois, les ouvertures aux échecs, du coup. Quand vous avez les pièces déjà en place... J'imagine qu'il y a des stratégies très, très élaborées au début de partie, quoi. Après, c'est ça, je connais vraiment pas... jamais regardé plus loin que ça. Non, rien de spécial. Ouais, je suis un peu déçu par ce que j'ai fait, là. Tac. Je vais remettre une petite musique. Oh, tiens, FMA, parfait. Oh là là, un peu truc, celle-là. Ça commence par la plus triste ou quoi? Bon, je trouverai après. Il vient ici. Bon, il peut plus bouger, c'est pas grave. De toute façon, on a deux yeux. Je sais pas pourquoi il fait ce coup. Il reste que du yo, c'est chiant un peu. Bon, ici on peut faire ça.
Voilà. Faut bien se connaître en finale, surtout aux échecs. En finale? Comment ça en finale? On va venir là. Ok, d'accord, ça roule. En finale, ok. Oui, j'aurais pu comprendre quand même, en fait, oui. Les échecs émettent sur vert. Ok, d'accord. Ouais, ce qui peut être un tout petit peu déroutant au jeu de Go aussi, bah justement, c'est par rapport au vocabulaire. Parce qu'on en France, on utilise beaucoup de vocabulaire japonais, du coup. Est-ce que c'est Sente, ça? Qu'est-ce qu'il peut faire? Non, pas spécialement. Quoi d'autre? Rien d'incroyable pour blanc. Hein. Que du goûter. Il faudrait trouver du goûter santé. J'en vois pas plus que ça. J'ai pas trop envie de passer une seule période. Ah, je sais. Faut trouver du goûter santé. Pas quoi? C'est pas comme ça qu'on dit? Il y a le goûter goûter et le goûter santé. T'as jamais dit ça, toi? Ouais, le jeu de Go vient de Chine, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est comme il faut couper le Kosumi. Non, mais goûter goûter, c'est quand tu joues à goûter, mais que si l'adversaire avait joué à cet endroit-là, pour lui, c'était... Enfin, goûter goûter, c'était goûter pour lui aussi. Et goûter santé, c'est que pour lui, ça aurait été santé. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ouais, c'est ça, c'est ça. Est-ce que je peux aller là et faire un point de plus? C'est un peu risqué, je crois. Je crois même que je dois faire ça. Ouais, je me fais réduire comme un... C'est fou, hein? Aïe, aïe. Non, ça... Non, c'est goûté, ça. Ah, peut-être qu'il a pas de santé. Hein. Ou encore mon groupe a un œil, je t'énuque. Ça c'est, j'ai jamais entendu ça. Je vais peut-être appliquer. Est-ce qu'il y a autant de joueurs au jeu de Go qu'aux échecs? Non, pas du tout. Pas en France. Et même mondialement, je pense pas, non, du tout. Je sais même pas combien il y a de joueurs de Go en Japon, Asie, Chine. Mais pas mal, oui. En fait, c'est surtout c'est principalement Japon, Chine, Corée, Taïwan, Singapour, un truc genre, je crois. Où il y a beaucoup de joueurs de Go. Mais depuis quelques années, tu commences à avoir des joueurs professionnels européens ou états-uniens, par exemple, des trucs genre. Oh, pas de soucis.
Voilà, on est à la toute fin de partie. Faut fermer les territoires. On va tarir. Bon, bah on capture ça. Je cherche, hein, mais j'ai vraiment pas de santé. On va faire ça. J'attaque toujours avec mes gros faibles, toujours. On sait les deux. Il y a beaucoup de théories, mais au bout d'un moment, il faut beaucoup de lecture pour dépasser un certain niveau, quoi, on va dire. Il faut faire beaucoup de problèmes de notre côté, en fait. On appelle ça des tsumego, par exemple. Il faut faire énormément de problèmes pour progresser sur ce plan-là. Bah, tu verras quand tu apprendras, mais il y aura des petits groupes comme ça où on peut tuer, mais il faut trouver la séquence parmi des dizaines, forcément. Et ça, c'est pas que de la théorie, c'est il faut s'entraîner, faut s'entraîner, faut s'entraîner, quoi. Atsuki, on répond au game. Tout à fait. Il va tout à fait faire. Ah, il répond à tout, par contre. Ouais, comme aux échecs, je pense. Ouais. Bon, de toute façon, les deux jeux se ressemblent beaucoup dans leur façon de penser, dans leur façon d'être et tout, hein, je pense. Non, c'est de l'autre côté que je voulais faire, c'est le 19. Oups! Parce que c'est ici, je crains moins que là. Ouais, c'est clairement ça. Oups. Oui. C'est débile. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. On rajoute un coup, mais lui aussi. Et comme il est mort, ça revient aux mêmes choses. Il capture cette pierre. Non, on atterrit. Répond à l'Atari. Je ne sais pas trop où ils vont venir. C'était vraiment, il va peut-être pas voir. Ok. C'était plutôt. On va protéger ici, je pense. C'est plus grand chose, de toute façon. Tari. Reste un petit point par ici. Peut-être que je devrais rajouter un coup là, un moment, et encore. Peut-être pas. Un jour, je devrais rajouter un coup peut-être par là. Et là, par rapport à la situation, je sais pas trop. Donc, on va rajouter un coup. Est-ce qu'on gagne des points au jeu de Go ou pas du tout? Ouais, il y a aussi un système, mais c'est pas le système Elo comme aux échecs. C'est un système plutôt comme au karaté où il y a des systèmes de Q et de Dan. C'est un peu, tu pourrais comparer ça un peu aux ceintures. Par exemple, quand tu arrives un Dan. Tu peux dire à peu près que c'est ceinture noire, on va dire, grosso modo, hein. Je dis des bêtises peut-être un peu, mais si on essaie de se situer, tu commences 30 Q, donc là tu sais poser une pierre sur le plateau, sur le goban, tu montes jusqu'à premier Q, donc t'as 30 niveaux à passer, et après tu passes premier Dan amateur, jusqu'à 9e Dan amateur, et ensuite derrière t'as il faut passer des diplômes pour être professionnel, et pareil ça va de 1 à 9 Dan. Hmm.
En vrai, ça va, ça sera expliqué dans ce que je t'ai envoyé normalement dans les règles écrites, notamment, je pense. 5, 4, 3, 2, 1. Il a joué ça d'ailleurs? Il a un œil? Et pas deux? Je comprends pas. Pourquoi il a joué ça? Bon, ça commence à être bien fermé tout ça. Moi, je joue ça. Hein. Ouais, mais il va pas faire de points ici. Et G1 empêche toute action de sa part. Je suis même pas sûr que j'avais besoin de G1, mais au cas où. Et ça a l'air fini là, il reste des damés partout ici, mais c'est pas important. Ça a l'air fini. Et oui, une différence aussi assez importante avec les échecs, c'est qu'aux échecs, pour gagner... C'est soit tu déclares match nul, soit tu captures le roi, c'est ça je crois. Au Go, c'est quand un des deux joueurs, quand on joue chacun deux tours, c'est comme aux échecs. Et si j'estime que qu'il n'y a plus rien à jouer sur le plateau, je passe. Et si les deux joueurs passent à la suite, c'est fini. Ça, en fait, la partie s'arrête par un accord commun. Ah oui, c'est règle chinoise, il faut jouer les damés. Ah, j'avais oublié. Faut pas perdre 2-0-5. Il faut mater ou gagner autant. Je vous remercie. Ok. Ouais, nous aussi on peut gagner autant, oui, ça j'oublie. Ou par abandon, forcément aussi. Oui, oui, c'est important. Ouais. J'ai failli pas répondre. Il est fourbe. Il est fourbe. Bon, et ça, c'est un peu de l'abus aussi. Ah non, c'est un damé, en fait. Ah non, c'est un... Oui, on devait le jouer, de toute façon, non. On devait le jouer. Ok. Là, c'est vraiment fini. Enfin, je vois rien, là. Je vois plus de damé. Ouais. Il passe, et je passe. Et je gagne de 24, ok. Ok, ok. Ouais, c'était large, c'est pour ça que tu disais t'as compté, Shadeblood.